ça va très 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 bien. Première chose à dire, je vous souhaite une excellente année 2020, puisqu'on s'est pas encore vu depuis 2020, même si on s'est beaucoup tchatché sur Instagram. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, et je dirais même un nouveau vlog, en compagnie de mon petit chiot, ma petite Maïdo. Si vous savez pas sa petite histoire, je vais vous la raconter ensuite dans le vlog. Mais voilà, là pour l'instant j'ai Maïdo à la maison. C'est une chienne réunionnaise du coup. En gros là j'ai pas été sur YouTube parce que je suis partie 15 jours à l'île de la Réunion voir ma meilleure amie. Et il s'avère du coup que je suis revenue avec ce petit paquet dans ma valise. Enfin dans sa cage plutôt, hein, mais elle a pris l'avion avec moi. Dans la soute, voilà. Bref, on en reparlera un peu après dans la vidéo, mais là pour l'instant en fait si j'ai commencé ce vlog à cette heure-ci dans cet accoutrement aka un pyjama, c'est parce que j'ai reçu ma selle forestier. Hop là. Oh my god. Bon. Je suis trop heureuse. On a un premier. Un tapis forestier. On a le tapis de dressage forestier. Version blanc, version concours. Nickel. Oh là là, mon dieu, il y a plein de trucs. La sangle courte pour aller avec la selle. Oh là là, même la sangle est trop belle quoi. C'est tout douillé là, c'est tout doux, c'est tout velours. Oh, j'ai envie d'être un poney juste pour avoir la sangle sur moi. Ça c'est le kit des cuirs normalement. Ok, là on a l'éponge. Là on a, je suppose, un baume pour le cuir. Ouais, baume pour cuir. Là on a, hop, savon glycériné pour le cuir. Et tout ça rangé du coup dans une petite pochette avec l'éponge qui est là, bien rangée. Et attention, enfant. Bah oui, je sais, t'es jalouse. T'as vu? Elle est trop belle, hein? Elle est belle, hein? Voilà, pour l'instant, tu vois pas grand chose, mais. Ah oui, tu confirmes. Maïdo, elle confirme, hein? Elle kiffe. On va la déballer. Oh là là! Oh là 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 là! Mon dieu! Oh la beauté! Oh là là! Tiens, ouf! Cache-toi, toi! Sale petit rat! Oh là là! J'adore, elle est magnifique. Et ben dis donc, j'en connais une qui va se remettre à monter son poney très rapidement. Je pense qu'on va aller faire une balade de famille avec Soleil, Sango et Maïdo. Elle est trop belle, elle est incroyable. Incroyable. Bon, je vais aller m'occuper de ma personne histoire d'avoir une tête un peu plus potable. Et je vous retrouve juste après avec la selle à l'extérieur, etc. On va aller voir les poneys et on va aller essayer ça à Soleil. Je pense que je vais mettre mes fesses dedans parce que là j'ai trop envie de tester. À toutes. Bon, du coup je vous retrouve avec les poneys. Bébé selle, elle est là. Je lui ai installé tout ce qu'il fallait. Donc elle a ses étriers et voilà. Soleil, tout va bien. Je viens de leur mettre du goudron. Enfin, je viens de mettre du goudron à Soleil sur les pattes. Enfin, sur les sabots. C'est du goudron en spray comme ça, qui est très très pratique quand c'est l'hiver et que du coup bah, les fourchettes pourrissent, etc. Donc voilà, je viens de lui mettre ça. J'en ai d'autres d'ailleurs. J'ai d'autres soins là pour les fourchettes pourries. Ça c'est pour les crevasses. Voilà, ça c'est très très pratique en un coup de spray. Enfin, ça se chip-chit là. Donc très très cool. Et bref, donc là je vais lui faire un bon pansage à monsieur. Et ensuite, bah, on va tester la selle. Je vais partir en balade avec Maïdo qui s'amuse dans le foin. Et Sango il va rester à la maison parce que je vais pas à la fois gérer Maïdo, à la fois gérer Soleil qui va être fou parce que ça fait 15 jours que du coup je l'ai pas monté puisque j'étais en vacances. Elle est si belle. T'es content? Bon déjà t'as les oreilles en avant, c'est que t'es content. Je pense que t'es moins content de te dire qu'il va falloir retourner en concours et qu'on va devoir retravailler. Et ben voilà, nous voilà partis en balade. J'ai Soleil et là il y a Maïdo. Bon, l'avantage c'est que c'est une chienne qui suit hyper bien. Dès le départ, dès le moment où on l'a récupérée, elle nous a suivis. Donc bon, je me fais pas trop de soucis, on va éviter d'aller vers les routes, comme ça ça posera pas de problème. Mais là, elle suit hyper bien.
Donc c'est cool. Et puis moi je suis installée dans mon canapé, aka ma nouvelle selle, qui est très très confort. Par contre Maïdo, arrête de lui aboyer dessus hein. Il marche, c'est très bien, il n'a pas besoin de marcher plus vite là. Et pour l'instant c'est tip top confort. Moi bon, je vais pas faire une séance de dress aujourd'hui hein. Là c'est tranquille, c'est reprise, c'est balade en famille. Mais on fera une séance de dress dans un prochain vlog. Voilà, bon allez hop, nous on se promène. Je vais vous faire quelques petits plans. On va surtout profiter du soleil et je vais profiter de mon chien avant qu'elle parte dans sa famille d'accueil pendant quelques mois, mais je vous expliquerai ça juste après. On se balade. Sky is beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. Et nous voilà donc sur la route du retour. Je me suis mangé pas mal de coups de cul. J'ai bien fait de pas emmener son Goku avec parce que là, soleil pour le coup, il était très très énergique. Je peux vous dire, il fait genre 2 degrés dehors et ben je meurs de chaud là dans ma doudoune. La selle, mais putain, c'est un canapé, un fauteuil au galop, j'étais vissée dedans et du coup il m'a balancé des coups de cul dans tous les sens, mais j'ai tenu hein. Maïdo, elle a trop bien suivi. T'es où mon chien? On la voit, elle est là. Elle nous a trop trop bien suivi, franchement, une pépite. Et voilà, mon soleil est bien en forme. On a fait du coup du pas, du trot assis, du trot enlevé, du galop assis, du galop en suspension. Pour un peu tester la selle dans tous les sens. La selle n'a pas bougé. Elle est toujours à sa place. Enfin bref, voilà, c'est une bien belle journée. Sous le soleil comme ça. Je kiffe ces journées d'hiver où il fait si froid mais il fait si beau. C'est en pleusure. Et encore mieux quand t'es accompagné de ton chien et de ton cheval. C'est le paradis. Bon, il manquait son Goku, mais pour le coup j'ai vraiment bien fait de pas le prendre. Parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Ça aurait pas été possible. Mais voilà. Sinon, c'était parfait. Qu'est-ce que tu fais, Tartuffe? On est sur un changement de taille de poney. Je vais m'occuper de la crapule. La crapule qui a le toupet coupé. Je constate avec effroi que ma petite sœur s'est chargée de faire coiffeur pendant mon absence. Sally, j'ai envie de te zigouiller. C'est trop court. Regarde, on dirait Mireille Mathieu. Mon pauvre bébé, je t'ai coupé super court la frange. Bah. Enfin bref, on va lui faire un passage parce que monsieur Cracrax, bah il est Cracrax. Et puis voilà, donc on va faire passage, on va faire graissage des papates pour la fourchette pour X. Et voilà. Ouh, salut toi. Et dis donc, t'es plutôt beau gosse. T'aurais pas un 06? Eh vas-y, fais pas ton insolent comme ça. Elle est où ma chienne? Je l'entends. Mon bibi! Oh là là! Regardez-moi cette championne de saut d'obstacle! Oui! Cette championne de saut d'obstacle, elle a sauté la file! Elle a sauté le fil! Mon amour! Je l'aime tellement! Mon chien! T'es trop forte, t'es la meilleure! Qui c'était toi la petite tête là? Tu faisais pas la maline hein, il y a deux jours quand t'avais les poneys. Maintenant tu t'en fous. Mon amour. Trop belle. Elle est trop belle cette chienne. Bon allez au passage de Mr. Sango. J'ai tête. Toi aussi tu es beau mon cœur. Toi aussi je vous aime tous. Voilà, on est sur un Sangoku. Hyper beau gosse, trop bien coiffé. Un soleil, hyper beau gosse. Parce que la beau gosse attitude est en lui. Et une chienne, hyper belle gosse, posée dans son foin, qui surveille ses poneys. Si ça, c'est pas le paradis, franchement. Oh là là, t'es trop beau, toi. T'es beau, allez. Ah non, faut qu'on fasse les pieds encore. J'avais oublié les petits petons. Hop. Le spray et le cure-pied. Hop là, on fait les pieds. Bon alors, autant j'adore ces journées où il fait archi froid
et où il fait super beau, autant il y a un truc qui me saoule, c'est qu'il faut tout le temps donner de l'eau au poney parce que du coup les tuyaux d'eau sont gelés, donc il n'y a pas d'arrivée d'eau possible. Et donc faut leur donner de l'eau constamment parce que de toute façon même si on leur remplit un seau, il va geler pendant la nuit, donc c'est chiant. Donc faut faire des allers-retours avec seau d'eau et puis leur donner de l'eau assez régulièrement pour pas qu'ils se déshydratent. Sachant que c'est les journées d'hiver où il fait froid et en fait ils puissent dans leur réserve d'eau pour se réchauffer également. Donc du coup c'est des journées où en fait ils ont quand même très soif malgré ce qu'on pourrait penser. Donc faut qu'ils s'hydratent. Donc voilà, on s'amuse à faire des allers-retours et à leur donner de l'eau. N'est-ce pas mon petit Kiki? On va rechercher un seau? Allez. Je reviens. Bon du coup c'est la fin de journée, j'ai pris une douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis lissé les cheveux, je ressemble à quelque chose d'un peu plus potable. On va aller voir Tata Amandine, Tonton Pierrot, Copain Gouchy. J'ai l'impression que dans chacun de mes vlogs ils sont là, mais en même temps ils font partie de mes meilleurs potes, donc c'est normal, je les vois tout le temps. Donc voilà, on va aller les voir avec Maïdo. Et pour vous raconter du coup un peu l'histoire de Maïdo, donc Maïdo c'est une chienne réunionnaise, je suis partie 15 jours à La Réunion et donc je l'ai ramenée de l'île de La Réunion parce qu'on l'avait trouvée abandonnée en haut d'une montagne. C'est pour vous faire un bref résumé hein. Et donc de là s'en est suivi 10 jours de galère pour lui faire des papiers, pour récolter les sous nécessaires à son rapatriement en France, et ça s'est fait grâce à Utip, donc grâce à vous, grâce aux abonnés qui avaient regardé des pubs entièrement gratuitement sur Utip. Et donc voilà. Et donc Maïdo est du coup arrivée en France avec moi par avion, elle est rentrée avec moi en France. Et donc pour répondre grosso modo à la question principale, Maïdo c'est mon chien, voilà, sur ses papiers c'est mon nom. Donc elle m'appartient mais je ne peux pas la garder chez moi. Là actuellement elle est à la maison depuis que je suis rentrée de l'île de La Réunion parce que mon papa est parti en vacances également après moi. Donc du coup on fait un truc alterné pour les poneys vous savez. Donc maintenant que mon papa est parti j'ai pu garder Maïdo à la maison. Mais mon père ne veut pas de chien à la maison parce qu'il ne veut pas s'attacher à un animal, en l'occurrence à un chien. Et donc du coup ce n'est pas possible que je la garde. Donc Maïdo va partir 6 mois et demi, 7 mois en famille d'accueil, donc dans la famille d'une abonnée. Clara si tu passes par là, un très grand merci de prendre soin de Maïdo du coup, parce qu'au moment où vous allez voir ce vlog, Maïdo sera partie dans sa famille d'accueil. Elle va partir en famille d'accueil jusqu'au mois de septembre, et en fait au mois de septembre moi je vais avoir mon propre appartement puisque je vais reprendre les études, je vais faire mon master, donc j'aurai mon appartement, je ne sais pas encore dans quelle ville, enfin bref tout ça c'est flou, mais dans tous les cas j'aurai mon appart. Je partirai soit avec les poneys si je pars dans une ville trop loin de là où j'habite, soit les poneys resteront dans le jardin. Et je viendrai les voir une fois par semaine, enfin je rentrerai chez moi le week-end, etc. Enfin bref, là n'est pas la question, mais en tout cas, Maïdo part en famille d'accueil, c'est mon chien, je la récupérerai au mois de septembre. Je pleure à chaque fois que je pense au moment où je vais devoir la laisser, c'est dans quelques jours, on profite à fond, mais c'est un déchirement, franchement on s'attache tellement fort à un chien, c'est incroyable. Et bon, c'est une magnifique histoire dans tous les cas, elle aurait pu finir euthanasiée et à la fourrière sur l'île de La Réunion. Au final elle a fait 9000 km en avion, elle est arrivée en métropole avec moi et c'est magnifique et ça me console, ça me rassure de me dire que bon, elle sera toujours là et que c'est 6 mois de séparation pour se retrouver ensemble 15 ans ensuite, et c'est beau. Et voilà, j'ai sauvé un chien, on a sauvé un chien avec ma meilleure amie et c'est magnifique et c'est ce qui compte. Puis du coup je vous mets les deux reportages qu'il y a eu au journal télévisé de Réunion la Première et de France 3 Centre Val de Loire, je vous les mets tout de suite. Et pendant ce temps là, pendant que vous regardez ça, moi je vais me contenter de faire la route jusqu'à Amandine et Pierrot, et puis je vous retrouve après. Polo. On est rentré à la maison, on a été redonner de l'eau au poney, je vous ai pas pris avec parce qu'il fait si froid dehors, j'avais pas envie de me geler les mains et j'ai essayé de faire au plus vite possible. Maïdo, elle a mangé comme vous venez de le voir, donc du coup, c'est l'heure d'aller faire dodo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, on va y réfléchir. Gros bisous. Et d'ailleurs oui, si jamais vous voulez voir les vlogs à La Réunion, il y en a qui vont sortir sur ma deuxième chaîne YouTube, donc la chaîne s'appelle Les Loups tout court. Et voilà, si jamais ça vous intéresse de voir l'aventure à La Réunion, de voir Maïdo à La Réunion également, ce sera là-bas que ça va se passer. Et voilà, je sais pas quand ça sortira, mais je vous tiendrai au courant. Et allez vous abonner, comme ça vous verrez. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao. Je sais plus comment on termine un vlog, mais comme ça certainement. Bye.